Et puis, je vais vous parler comment je suis tombé dans toutes ces choses-là. En fait, ça a commencé il y a environ 2-3 ans de ça. En fait, ça a commencé parce que presque tout le monde parlait de ça. Et en fait, moi, je suivais le courant. Et donc, je pensais pas aux conséquences. Et puis, voilà, je suivais ce courant et ça me dérangeait pas trop. En fait, j'étais croyant, mais voilà, quoi. Sans plus. Et du coup, voilà, ça me dérangeait pas trop, donc j'ai continué toutes ces choses-là. Et puis, je me rendais compte quand même qu'au fil du temps, je commençais à me renfermer sur moi-même, je commençais à devenir de plus en plus timide. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui commençait à me déranger un petit peu, mais j'arrivais pas à arrêter. Et puis, c'est il y a environ un an, j'ai commencé à lire la Bible. C'est là où j'ai vraiment commencé à avoir une relation avec Dieu. Et puis, voilà, je commençais à lire la Bible et plus je lisais, plus je voyais que c'était des choses qu'il fallait pas faire. C'était des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et voilà, je continuais à lire. Et puis, je commençais à avoir ce sentiment de culpabilité parce que je voyais que si on faisait ça comme ça, Dieu, il nous voit comme ça, il n'aime pas nous voir faire ce genre de choses. Donc là, je commençais à ressentir de la culpabilité. Et puis, voilà, je me suis repenti, mais j'arrivais pas. J'étais accroché, j'étais comme enchaîné. Et puis, c'était un soir. Début décembre 2015, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et puis voilà, dès le lendemain, j'avais une vision totalement différente de toutes les choses, de tout le péché. Je commençais vraiment à être plus sensible au péché. Et puis, toutes ces choses de pornographie, de masturbation, toutes ces choses, je voulais dire stop, stop. Donc pendant 2 semaines, j'avais la joie, j'avais la paix dans mon cœur, tout ça. J'avais arrêté ces choses-là. Et puis voilà, j'avais en gros, Jésus avait comblé le vide qui était en moi. Mais 2 semaines plus tard, c'était la fin décembre 2015, c'est revenu tellement plus puissant qu'avant. Pendant une semaine, je me rappelle, j'ai été tourmenté toutes les nuits. Pendant une semaine, toutes les nuits, je me faisais attaquer. Toutes les nuits, pendant une semaine, c'était horrible. J'arrivais plus à prier, j'arrivais plus à lire la Bible, tout ça. J'arrivais plus. Et puis, il fallait vraiment que je sois délivré. Il fallait vraiment, parce que j'en pouvais plus. J'étais vraiment triste, parce que moi, je voulais suivre Dieu, je voulais suivre. Mais je sentais qu'il y avait un oppresseur qui faisait tout pour pas que je suive. Il faisait tout. Alors, j'étais toutes les nuits tourmenté. Et j'avais une pensée forte, en fait, c'était pas une voix, mais c'est une pensée forte qui disait tu peux pas me suivre et rester assis dans un péché. Et ça m'a fait très mal parce que ça a touché là où ça fait mal. Et donc ça m'a fait très mal. J'étais très triste et je voulais vraiment être libéré. Mais je ne savais pas comment faire. Je n'arrivais pas à me libérer de ça. Je n'arrivais pas. Et donc, comme par hasard, j'ai rencontré à ce même moment un frère sur un forum. Et puis lui, justement, il a été délivré de toutes ces choses-là. Et puis, voilà, pas. Et il m'a dit une phrase toute simple, il m'a dit « Repends-toi et ne recommence plus jamais. » Et cette phrase toute simple, wow, elle est comme rentrée en moi, au plus profond de moi, ça a touché, ça m'a fait tellement mal. Je me rappelle, pendant des heures, j'ai eu mal au ventre. J'ai vraiment pris conscience de ce péché-là. J'ai vraiment pris conscience, et j'avais mal au ventre. J'ai de suite prié, j'ai dit « Seigneur, j'en peux plus. » Alors, je ne sais pas comment faire, mais j'arrête. Je savais pas comment faire. Honnêtement, physiquement, c'était impossible. Et je ne savais pas comment faire. Mais j'ai fait cette prière de dire, j'arrête. Stop. Parce que moi, je ne savais pas comment. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et puis, je peux vous dire que depuis ce jour, je n'ai plus jamais retouché à la pornographie, plus jamais à la masturbation, plus jamais toutes ces choses-là. Plus jamais que ce péché qui m'empêchait de venir. De venir suivre Jésus. Et voilà, depuis ce jour, j'ai été libéré parce que j'ai fait cette prière de dire j'arrête. Il faut vraiment au plus profond de votre cœur
que vous dites j'arrête. Donc voilà, maintenant j'aimerais vraiment vous faire passer ce message que pour être délivré, il faut prendre une décision. Parce que vous ne pouvez pas être délivré comme ça. Dieu ne va pas vous délivrer comme ça. Il faut que vous preniez la décision de dire non, dire stop. Et c'est ça que j'ai vraiment compris. Dans tout ce qui s'est passé, j'ai compris que Dieu fait sa part. Mais vous, vous devez faire votre part. Vous devez faire votre part, qui est de prendre la décision de dire non. Il faut que tout votre être dise non au péché. Donc, en fait, si vous dites non, mais que au plus profond de vous, vous avez encore l'amour pour le péché, Dieu ne pourra pas agir. Il ne pourra pas agir. Il faut que vous ayez cette ferme décision de dire non. Et donc, voilà, vous devez faire votre part. La chose que vous devez faire, c'est ça. Le pas. Faire le pas. Après, Dieu fait tout le reste. Et vous devez faire cette décision de dire non. Alors, ce soir, vous devez faire cette décision de dire le péché, c'est fini. La pornographie, c'est fini. Vous devez faire ce choix. Si vous ne faites pas ce choix, Dieu ne pourra jamais vous libérer. Jamais. Il faut